The discussions will be opened by Dr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais évoquer quelques points pour, comme vous l'avez souhaité, ouvrir les discussions par rapport au thème qui nous réunit pour ce panel, mais en insistant, comme mon collègue Harold l'a fait tout à l'heure, sur les aspects liés à la science et à la technologie pour arriver à une transformation économique effective dans nos pays. Je voudrais d'abord rappeler un contexte qui ne facilite pas les choses. On veut arriver à une transformation économique dans le secteur de l'agriculture pour arriver à la sécurité alimentaire, mais aussi réduire la pauvreté, pendant que l'environnement agraire est devenu plus hostile. Changement climatique, pauvreté des sols, et la main-d'œuvre, on l'a vu tout à l'heure avec Ousmane, qui quitte le milieu rural. Ce contexte n'est pas évident. Ça veut dire que qui dit dans ce contexte transformation économique dans le secteur de l'agriculture, dit forcément plus de productivité et plus de compétitivité. Les deux, forcément, devant avoir comme matière première la science et la technologie, j'allais dire les innovations technologiques, avec comme préalable, bien sûr, ou comme mesure d'accompagnement, l'investissement. On l'a dit tout à l'heure. On ne pourra pas faire l'économie de l'investissement. Et justement, Monsieur le Président, ça rappelle les engagements de Maputo. Ce qu'on n'a pas dit, on a dit que les États voulaient arriver à 6% de croissance en mettant 10% de leur budget dans le secteur agricole, mais il faut rappeler qu'ils s'étaient engagés également à mettre 1% de ces budgets pour la recherche. On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, ou en tout cas, on ne l'a pas assez dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques qui ont débattu ce matin, ou les hommes politiques, devraient veiller à une plus grande effectivité de ces mesures. Parce que sinon, tous les autres investissements qui vont être faits risquent de ne pas avoir les effets escomptés. Parce que j'ai dit à l'entame de mon propos, j'ai parlé de productivité et de compétitivité. Les deux, pour la productivité, utilisent des innovations technologiques. De surcroît, la compétitivité qui suppose la qualité, le respect d'un certain nombre de normes, en tout cas de certaines contraintes. Donc, c'est pour résumer mon propos autour de cette nécessité absolue d'investissement qui est le problème de nos agricultures actuellement et ce besoin absolu d'utilisation des sciences et des technologies. Et ceci pour à la fois les petites exploitations familiales, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le docteur Harold Roy-Macaulay, que nous ne devions pas opposer à l'agribusiness parce qu'il nous faut les deux. J'allais même dire, comme il parlait d'agripreneur, effectivement, on oublie que cette intensification de l'agriculture ou cette modernisation de notre agriculture, c'est également à l'échelle du petit producteur. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est notre premier présentateur. Il a dit que c'est au niveau des petits producteurs qu'on a en général beaucoup plus d'efficience. La présentation l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que si on encourage l'adoption à grande échelle des innovations technologiques, comme il est d'actualité aujourd'hui dans la sous-région Afrique de l'Ouest, avec des projets comme le WAP, on crée les conditions alors d'une plus grande productivité et d'une plus grande compétitivité. Et on crée les conditions d'une meilleure attractivité pour que la jeunesse
dont on a parlé depuis ce matin, restent dans le monde rural. Parce que ce n'est quand même pas des philanthropes. On a besoin d'un minimum, on l'a dit, pour les garder dans le monde rural. Donc il nous faut un autre type d'agriculteur, y compris à petite échelle. Parce que si on parle de modernisation de l'agriculture, on a tendance à avoir tout de suite l'agribusiness. C'est depuis l'agriculture attelée jusqu'à la grande motorisation qu'on a besoin de moderniser nos agricultures. Donc, Monsieur le Président, c'était juste pour lancer les débats. Et pour terminer, en insistant sur les potentialités qui ne manquent pas. On sait que l'Afrique dispose de réserves foncières encore très importantes. On dit d'habitude que c'est l'Afrique qui peut nourrir le monde pour l'avenir. Moi, je dis, l'Afrique va nourrir le monde, sinon il sera un monde affamé. Je note également le gap de productivité que nous avons. Ailleurs, dans les pays du Nord, on en est même aux OGM. C'est-à-dire qu'on a fini les voies pour optimiser le rendement, la productivité. On a épuisé presque toutes les voies. Nous, on n'a pas encore commencé. Avec le matériel même composite que nous avons, on a des gaps de productivité de 2 à 8, en tout cas si je prends le cas du Sénégal. C'est-à-dire sur ces mêmes superficies, on peut multiplier au minimum par 2 pour certaines spéculations et par 8 pour d'autres. Donc commençons par exploiter le potentiel génétique en adoptant les meilleures variétés et des semences de qualité. Et j'en passe. Un peu pour dire que c'est difficile le contexte, mais si on investit, les potentialités nous permettent d'y arriver. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire pour commencer les échanges sur cette question et je vous remercie. Thank you very much. I believe that Dr. Diouf has Monsieur Diouf, merci pour votre intervention. Mais je pense que les opportunités en termes de ressources foncières doivent prendre en considération aussi les opportunités en termes de ressources du point de vue de la biodiversité. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important, l'innovation technologique, les investissements, le soutien aux petits producteurs, etc. Mais l'Afrique de l'Ouest, que je connais mieux, n'a pas encore une table de composition des aliments dans nos écosystèmes. Ça, je pense qu'aussi, c'est une opportunité et la recherche doit s'y atteler dans la lignée de ce que le monsieur Ducoraf a dit. Il a parlé de la déclaration de Paris. Tout ça, c'est le fruit d'efforts qui sont vains parce que les efforts qui sont déployés pour produire ces outils, ces supports ne sont pas des efforts qui sont coordonnés. Je vous remercie. Nous allons, temporairement, je remplace le président. Donc, nous allons prendre d'autres questions, d'autres réactions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Allez-y. Paul, I'd like to make you a dictator. You can... Merci Abdoufal Enda Pronat. Je remercie tous les panélistes depuis les ministres jusqu'à maintenant.
Mais il y a une question qui me trotte. On parle de faire de l'agriculture le moteur de la croissance, de la productivité et de la réduction de la pauvreté. Mais on ne parle pas de l'agroalimentaire. Alors, jusqu'à maintenant, et je pense que il faut intégrer l'agriculture. Il faut agir de la fourche à la fourchette. Hein. Je suis un peu dans le domaine. Parce que si on veut effectivement lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire, il faut que notre agriculture soit intégrée dans une chaîne de valeur où les gains de productivité et les gains issus de la valeur ajoutée créée au bout de la chaîne puissent aussi revenir en partie de manière équitable aux producteurs. On ne peut pas parler de l'agriculture, de productivité et de croissance sans parler quand même de l'agroalimentaire dans nos pays. Une politique agricole sans une intégration des questions d'agroalimentaire et de nutrition, ça me pose problème. Merci beaucoup. D'accord, merci. Nous continuons. Oui, par là le micro. My question is to Harold. Let's be realistic about this. Most of
Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas eu de questions. J'ai peut-être donné un avis seulement sur deux questions. La première, c'est celle évoquée par le premier intervenant. Il m'excusera, je n'ai pas noté son nom, qui parlait de la nécessité d'exploiter davantage la biodiversité. Et il a parlé de table de composition de nos aliments dans nos écosystèmes. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais comme il parle du cas de l'Afrique qu'il connaît mieux, c'est l'occasion de lui dire que pour le Sénégal, j'ai été très bien et positivement impressionné par l'approche que la cellule de lutte contre la malnutrition, qui relève de la primature, pour le cas du Sénégal, est en train de développer ces derniers temps avec son nouveau plan stratégique qui propose exactement ce que vous venez de dire. Et cette cellule s'est rapprochée de l'ISRA pour travailler à côté des aliments, je ne sais pas si je vais les appeler préfabriqués ou fabriqués, conventionnels qu'on distribue, arriver à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire encourager la diversification agricole pour que la solution pour les questions de nutrition qu'on a en milieu rural provienne de la production ou du répertoire d'espèces cultivées dans nos écosystèmes. Et c'est actuellement l'approche pour ça, pour la prochaine phase de son plan stratégique, que la cellule de lutte contre la malnutrition au Sénégal est en train de promouvoir. C'est un peu pour vous dire donc que je suis d'accord avec ça, et bon, que c'est quelque chose à encourager, parce qu'on n'a pas que les questions d'alimentation à régler, on a aussi des questions de nutrition, d'équilibre de notre alimentation à régler. Et ça conforte aussi ce que disait quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'est Fall de Enda Pronat, sur l'agroalimentaire. On ne peut pas faire l'économie de la transformation de nos productions, parce que sinon on ne va pas encourager le consommer local. Et si on ne le fait pas, on ne pourra pas, n'est-ce pas, profiter de cet accroissement de productivité ou de compétitivité. On ne pourra pas profiter de cela. Peut-être que c'est l'exposé ou les exposés qui ont porté beaucoup plus sur les aspects productivité, qui sont des questions beaucoup plus cruciales ou beaucoup plus préoccupantes à première vue d'œil. Mais on ne saurait effectivement omettre cet aspect, surtout qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région, l'approche chaîne de valeur quand même est devenue une approche pratiquement standardisée dans nos différents pays. Et le dernier point, c'est contribuer à la réponse que le docteur Harold a donnée sur les centres de recherche. Il a raison, l'honorable qui a proposé, qui a donné la question tout à l'heure au sujet des centres de recherche qui sont fermés. Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire un mot à son Excellence, si c'est le ministre de la Sierra Leone. Il disait tout à l'heure que ces centres sont fermés. Justement, c'est là où il y a un problème. Il va falloir que quelque chose soit fait par les pays. Les investissements liés à ces centres, ce sont les pays qui doivent les faire. Le CORAF, que je félicite au passage, en tout cas, je suis membre du conseil d'administration, et de plus en plus, on est satisfait de l'approche qui est développée actuellement, qui est de favoriser le partage des acquis, de ce qu'il a appelé « commodities ». La recherche est coûteuse et consommatrice en temps. Donc, s'il y a des mécanismes au niveau régional qui nous permettent de faire des économies et de partager nos acquis et nos connaissances, je pense que c'est un investissement important. C'est des milliards d'économies pour chaque pays. Et ça, c'est le rôle du CORAF et c'est en train de bien se faire. Mais c'est aux États d'investir. Je donne l'exemple du Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure à l'interview de ce matin. Beaucoup de centres de l'ISRA étaient fermés. La recherche est loin du producteur et vous voulez que la recherche transfère facilement ses acquis. Et l'État du Sénégal a consenti à financer, à investir pour que les infrastructures au niveau de cette institution de recherche soient retrouvées. Cette année,
seulement l'État vient de consentir pour 2013, le reste de l'année, 3,5 milliards pour la réhabilitation et la réouverture de centres de recherche. Il faut, ça c'est aux États de le faire. Maintenant, c'est aux États aussi de motiver les chercheurs, parce qu'on ne l'a pas dit assez, mais si vous investissez aussi, vous ne fixez pas le personnel de recherche, il va partir. Donc ça revient aux États. Maintenant, c'est aux facilités, aux structures régionales et aux autres bailleurs d'encourager ou d'accompagner avec le financement d'activités de recherche ou de diffusion des résultats de la recherche. Mais les États ne devront pas faire l'économie de ces investissements importants dont la recherche a besoin. Et pour le ministre Cissé, j'espère que je ne me ferai pas taper et que vous ne parlerez pas à mon patron. Il disait tout à l'heure qu'ils attendent encore les résultats peut-être de l'argent, si j'ai compris son intervention de ce matin. J'ai l'habitude de dire que les gens peut-être négligent le fait que quel que soit le niveau de nos agricultures aujourd'hui, ces agricultures ont ce niveau du fait des acquis de la recherche. On oublie que déjà la recherche a fait quelque chose qui a permis aujourd'hui d'évaluer les performances de nos agricultures. Il faut faire davantage. Mais on a déjà des acquis. Et on les avait dans des conditions beaucoup plus favorables. Pluviométrie beaucoup plus favorable, sol plus riche. Maintenant que l'environnement est devenu plus hostile, ce n'est pas en ce moment qu'il faut fragiliser la recherche. Donc il faut se satisfaire déjà de ces acquis, financer pour les amplifier et encourager leur adoption. Donc je pense que la recherche a déjà fait pour tous nos pays, quels que soient nos niveaux. Maintenant, il faut mieux faire. Merci, M. le Président. Je suis là. Okay. Merci. Abdrahman Wan Sirad. Je reviens un peu sur le débat de tout à l'heure sur le choix. Sur le choix qu'il est important de faire. Est-ce qu'on doit lutter contre la pauvreté ou bien lutter pour la richesse? Je comprends un peu le côté compliqué un peu du choix. Mais quand on parle de transformation économique, surtout dans le domaine agricole, j'ai l'impression aussi qu'on ne parle pas des disparités qu'il y a entre les sous-secteurs agricoles, que ce soit l'élevage d'un côté, la pêche, la production agricole. Il me semble que ça aurait été intéressant quand même de voir toutes les dynamiques internes à l'intérieur donc, de ce secteur. Ou tout à l'heure, quand on parlait de migration, il me semble que quand même cette migration est plus observée chez les producteurs agricoles, les producteurs donc, de culture, plutôt que chez les éleveurs, où ce n'est pas cette migration qu'on connaît au niveau des villes qui viennent un peu encombrer nos feux de signalisation. Alors, il me semble qu'il serait peut-être utile à cette analyse un peu macro-comparative de voir aussi toutes les dynamiques internes pour montrer aussi que les choses bougent, qu'il y a une réelle capacité des acteurs ici en Afrique d'essayer de s'adapter à ces transformations-là, à ces changements qui ne sont pas que climatiques, ça peut être aussi des changements de type économique, de type politique, de type sociologique. Je crois que c'est pas assez, ça ressort pas assez fortement dans les présentations. Alors, il me semblait que aussi l'idée de montrer que qu'à l'intérieur de ces systèmes-là, il y a une forme d'épargne qui se fait sous forme de bétail,
Même on voit des agriculteurs qui investissent de plus en plus dans les cheptels. Donc je me demandais aussi si la notion de pauvreté peut être appliquée à la fois aux acteurs qui s'occupent donc d'agriculture, aux acteurs qui s'occupent d'élevage, etc. Il me semble que ça peut être intéressant de voir un peu toutes les disparités qu'il y a à l'intérieur, toutes les notions d'inégalité. Je ne suis pas convaincu qu'en augmentant juste le PIB qu'on combat la pauvreté. Je ne suis pas encore convaincu en tant qu'économiste. Il me semble aussi que c'est là où il faut peut-être orienter aussi les politiques publiques sur les inégalités qu'il y a, sur comment absorber ces inégalités-là. Bon, sinon, ça devient très mécanique de penser qu'en augmentant un peu le PIB, on résorbe la pauvreté. Et ce qui se passe dans d'autres pays nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Un rapide commentaire. Je suis de UPA Développement International. Ma question, en fait, a trait à l'intervention du docteur Harold. C'est à partir d'un constat. Quand en 2003, à Maputo, on a eu cette déclaration, c'était vraiment la grande joie. En Afrique de l'Ouest, on a pu décliner cela quand même. Et en 2005, on a eu notre politique régionale. Ça, c'était vraiment le délire. Et on constate que maintenant, 10 ans après, c'est comme si, au point de vue investissement, il y en a certains qui veulent et d'autres qui ne veulent pas, ou en tout cas qui ne peuvent pas. Et je vais le corroborer avec ce qui s'est passé en juin 2012, quand le 7 juin, le Nigeria a décidé, en relation avec son secteur privé, de porter vraiment un bon coup à l'agriculture, avec un programme de près de 256 milliards. 10 jours après, dans les pays sahéliens, il y a eu des acteurs qui se sont réunis pour dire qu'on va financer la résilience de l'agriculture ouest-africaine pour résister au choc des crises alimentaires. Et on a comparé avec les autres pays anglophones. Bon, la Sierra Leone a fait des efforts extraordinaires. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en septembre, les producteurs vont évaluer Maputo là-bas, à Monrovia. Oui. Et le Ghana a fait exactement la même chose. Alors, je voudrais lui poser cette question. Comment se fait-il que c'est comme si dans notre sous-région, il y en a, et là je reviens toujours encore aux pays francophones, il y en a qui veulent et qui font, et d'autres comme qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. Je ne comprends pas que ça soit toujours les mêmes qui, et que les autres toujours qui restent à la traîne. Merci. Right, thank you, Arjun. Doctor, you have one or two issues to respond to.
dire que ce thème aurait manqué de toute sa pertinence si nous nous arrêtons uniquement à l'aspect recherche. Et encore une fois, l'aspect recherche publique. Vous l'avez dit, la recherche, c'est un service. Il faut le rendre à quelqu'un, c'est l'utilisateur des résultats de recherche. Est-ce que elle doit être aussi attentive que possible à la demande? Ça, c'est une question qu'on doit se poser lorsqu'on formule des programmes. Sommes-nous suffisamment à l'écoute des utilisateurs? Ça, c'est la première question. La deuxième, avons-nous la réponse pertinente aux préoccupations de ces acteurs? Et la troisième chose, moi, j'aurais réfléchi au-delà de la recherche publique. Je parlerai de système qui engloberait la recherche privée, la recherche universitaire ou d'autres types de recherche qui arriveraient en tout cas à élargir le système. Tant qu'on reste dans nos centres en tant que telle institution, sans nous ouvrir à la recherche privée, celle-ci risque de se faire en marge de nos activités et de répondre à une demande qui est plus ponctuelle. Aujourd'hui, vous me dites le potentiel génétique. Mais les OGM sont parmi nous. On les utilise. Sans que ça porte leur nom, les OGM sont aujourd'hui parmi nous. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour endiguer tout cela? Faire en sorte que le privé trouve intérêt à la recherche publique, afin que cette recherche devienne un système qui englobe tous les acteurs, y compris le système de recherche privé. Voilà moi la question que je pose, parce que l'avenir est là. Vous avez parlé de coûts, c'est vrai. L'État ne pourra pas continuer à supporter ce type de recherche. Vous avez parlé de compétitivité. Tant qu'il y aura des laboratoires privés qui peuvent faire mieux que nous, on ne sera pas compétitif. Voilà les deux questions sur lesquelles on doit continuer à réfléchir. Merci. Thank you very much. I think that I'm not going to attempt to summarize what the experts have said.